c'est très court. Mais franchement, ouais, c'est bien. It's me, Mario. Ouais, il y avait une race à... C'était pas à 1h, c'était à minuit, je crois. Attends. Ah oui, non, t'as raison, c'était à 1h. Ouais, c'était à 1h, mais il y avait personne. Je pense qu'ils étaient pas au courant, les gens. Bah, je sais pas, ouais, ça a changé les horaires. Ça a changé pour les Américains, apparemment. Ouais, non, mais c'est tricky, creepy, mais si tu veux, quand tu... Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que quand tu débutes, tu peux faire plein de strats faciles, débutants et tout. Et du coup, tu peux facilement finir des runs. C'est pas grave, au pire, tu fais des 30, 40 minutes en 16 stars, même 50 minutes, même 1 heure sur tes premiers runs, c'est pas grave, tu prends pas la tête. C'est assez simple, en fait, à prendre en main. Je t'ai dit bonjour, Naina. Ouais, ce qui est bien en fait, c'est que c'est un jeu où t'as pas beaucoup besoin de practice quand tu débutes. Si tu voulais apprendre par exemple le MST sur OOT, bah là tu pourrais pas. Tu pourrais pas vraiment YOLO quoi, à moins que tu fasses glitchless. Allez! Ah, salut Nalena, pardon. Salut, merci pour la luck. Rien, je pense, Warma. Je vais me reposer. Salut FXYZ. Merci. Façon de fail ça. Yeah.
Ouais, je sais, Romain, il m'a dit tout à l'heure, Bono. Case Master. Hey, Génie Opossum, merci. Pas trop se soucier d'être constant ou quoi quand tu débutes, hein. Quand tu débutes dans le speedrun, essaie juste de prendre du fun et... pas trop se prendre la tête, hein. Qui streamait tout à l'heure. Il fait quoi en fait? Salut le barbu. Ouais, au début t'essayes surtout de finir tes runs, tu t'en fous en fait. D'ailleurs quand tu débutes c'est hyper important de faire des no resets. Et de continuer des runs qui sont très mauvais, c'est pas grave. Faut pas... Quand tu débutes, faut pas être trop frustré. Faut essayer de pas trop s'énerver, de pas être trop trigger. Tu fais de la merde, essayer de quand même finir ses runs. Après, c'est vrai, à haut niveau aussi. Il apprend des trucs sur OOT, nice. Non, c'est pas simple. Moi aussi, je m'énerve des fois. Mais je fais quand même énormément de no reset perso hein, sur Mario. Pas de problème, il est tard, je crois. Tu veux dire en randomizer, Charles-François?
Parce que en routing de catégorie de manière générale, c'est pas très bon. Largement meilleur en exé. Ah, sur OT, bah. Bon, je pense, je dirais que je suis meilleur en exé quand même. Ça m'arrive encore aujourd'hui de faire des erreurs de routing complètement débiles. Je pense que je fais plus souvent des erreurs de routing que des erreurs d'exé dans mes seeds. Ouais, je me trouve bon en routing quand même. Je me trouve très bon en routing. Peut-être un petit peu meilleur en exé. Ouais, Dark World dans le PB, c'était pas ouf. Dernier job au-dessus du tube. Ah ouais. Peur de tomber dans le tuyau. Non, bah clairement, Joris. Après, c'est que ça m'intéresse pas aussi, tu vois. Enfin, ça m'intéresse moins. Mais ouais, on parle de rando là, ouais. On parle pas de speedrun RTA, tu vois. Sinon, RTA, j'en fais pas du routing en fait, Joris. J'avais essayé une fois sur le 100%, mais c'était pas ouf. Mais ouais, mais ça m'intéresse moins, quoi, en tous les cas. Je suis plus dans la compète et tout, que dans la recherche. Après, en rando, je me débrouille bien, quoi. Oui, mais j'avais essayé en 100% une fois. Et voilà, une fois quoi. À l'époque où il y avait eu les quick swap. Mais j'avais essayé, mais ça m'intéressait pas trop. J'avais pas énormément de fun à essayer. Il y a des gens qui kiffent ça. Le rando, c'est autre chose, c'est du routing. C'est du routing en plein run, quoi. C'est du routing sur le tas, alors que le routing de RTA, c'est. Faut théoriser les trucs et tout à l'avance. Du routing dynamique en rando en plus, ça change selon les items et tout, c'est quoi, ça n'a rien à voir. Comme le bingo, en vrai le bingo c'est un peu pareil, c'est du routine dynamique, tu dois penser vite et tout, ça c'est cool. Ouais, avec le Google Doc shared, c'est ça. Pas mal. Ouais, tu peux fermer si tu veux. Hein? J'ai déjà libéré. Ouais, mais il est dans la salle de bain là. Je l'ai libéré sans faire exprès en fait, mais il est revenu après. Ouais.
Ah. T'as sauté pour wall jump. Ah, t'as perdu la course, mais non. Oh merde. C'est con. T'avais run le 70? T'avais essayé, t'avais appris les étoiles. Trouver des nouveaux glitchs aussi, y a beaucoup de gens qui kiffent, ouais. Bah comme le mec qui a découvert le SRM, son kiff de découvrir plein de trucs, lui. Oh merde. Ça. Ouais, après ça veut rien dire en bas, que le début. Ah, je préfère tellement le 70 que le 16, mais après je préfère les catégories plus longues, moi. Je pense, Charles, en soi, qu'on peut devenir très bon au routing très vite si on passe, si on bosse un peu, mais devenir bon sur l'exé, ça prend plus de temps, ça demande de l'expérience. Eh, merci Sir Zax. Bon, il est plutôt bon ce run. What the fuck, mon gars. Oui, c'est un ouf là. Ah fuck. Here we go. No way, Joris. Oh, ouais, bon, on va juste pas faire de long jump là. Casquette, mais elle est à l'envers les notes là. Yahoo!
Salut l'Artarion. Ok, ça va. En soi, G-Skate c'est un speedrunner comme moi à la base de OT aussi. Hein. Speedrunner de longue date. Bah, quand je rate mon setup depuis le début, je préfère Secure à la suite parce que ça nique ma muscle memory. Ah bof. Ouais. Ouais, c'est le pire. Ah, fais chier. Peut-être que je peux avoir le cycle quand même. Yahoo!
Franchement, c'est pas grave. C'est pas grave. J'aurais pu l'avoir. Ça va, c'était correct encore. Moi j'ai commencé avec... à la base j'avais commencé avec Skyward Sword Harp pour 100. Ah, OT. Ah, tu... ah oui non, bah, j'avais commencé avec Skyward Sword. Mais j'en ai pas fait longtemps, j'en ai fait pendant 2 semaines, 1 mois peut-être, grand max. Sur OT, j'avais commencé avec le N%. Putain la vache, c'est assez ouf en vrai là. C'est un run de malade là. Je suis pas prêt là, je suis pas prêt mentalement mec. J'ai vu la pièce. Non, je sais pas, Nalena, pas forcément, non. Ça dépend. Ça aurait pu peut-être. Je tourne la caméra de fond. Putain, c'était pas mal. Oh là, ce serait horrible, Loïs. Pire truc. Il se passe trop bien ce run là, y'a une couille là, c'est what the fuck. D'accord, il y a une erreur. Hein. Oui, c'est un run de malade. Il va sûrement crever. Hein, mais... mais
Même s'il crève, faut pas que je sois mad, faut que je sois content de, du run que j'ai, I guess. Non mais mec, what the fuck. Ouais ouais mais là, au Rama, je suis à 50 secondes de... en best pace ever, c'est vraiment un run de ouf. Mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout se passe bien. I don't know. Non mais les runs qui se passent trop bien comme ça, c'est horrible en vrai. Ça me fait trop stresser ces runs-là. Ah voilà, un fail, putain quand même. Bon c'est un petit fail. Hein. Ouais, c'est pas dessus là. Non non c'est pas un green. C'était dégueulasse. Yo Noah, t'as d'ailleurs faut que je la pratique cette étoile là. Trop nul sur cette étoile, faut vraiment que je la pratique. J'y pense. Je pratique cette étoile pour la prochaine fois. Ah, ça y est. Et il commence à avoir du fail là. Il commence à avoir des fails bien pourris. Une minute de best pace save. TTM. TTM c'est un niveau super dur pour le coup. Y'a rien qui fail. Qu'est-ce qui se passe? Ah quand même, putain. Alors il a fallu du temps avant de rater. Bon là j'ai perdu pas mal par contre quand même. J'ai dû perdre genre peut-être 10 secondes. 10, peut-être 15. Bah 10 secondes sur le 3.05 de mon best, Joris. Je pense que c'est plus, mais...
Ouais, là je vais gagner du temps, sauf si je rate la dernière étoile. Même avec le fail, je gagne du temps. Là. Ouais, ça a plutôt l'air d'être 15. Ouais, il y a encore RTTC et End. Non, mais si le run continue comme ça, je vais crever de stress. Là, ouais, j'avoue, j'ai mis. Faut pas se prendre la tête, ça crève. Duel Metech. Ouais, je fais aucun gros fail. Mais bon, si tu veux un gros fail, attends RR ou TTC. Hein. Oh la vache. Mec. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Non, c'est pas grave. Franchement, si ça continue comme ça, je fais une pause de 70 stars. Hein. Et direction TP, mon gars. Oh, what the fuck. Ouais, je passe au 120 direct. Non mais arrête de faire de la bouse. Bon, je vais perdre du temps ici. Mon PB a un bon HMC par contre. Mais what the fuck. Mais mec, tout passe, c'est un truc de ouf. Bon, j'ai raté le lapin, mais c'est pas non plus dramatique. Mais tous les tricks passent. Oui, ce run est incroyable. Je sais pas ce qui se passe là. Ah oui, le Christmas Miracle. Ben c'est maintenant. Est-ce que c'est le miracle de Noël? Oui, je pense. Yeah.
Bon, je vais quand même perdre du temps ici, je pense. À cause du lapin. Mais c'est un bon HMC. Hein. Oh putain. J'ai un gros bug de cerveau là, j'ai fait save et continue, mais c'est pas grave. J'ai envie de pisser par contre. Je pense à envie de pisser. Oh non. Mauvais RNG. Non, je voulais pas. J'ai pas fait exprès d'appuyer sur B. On doit glisser. Bon, HMC dégueulasse. Bon, j'ai quand même 2 minutes d'avance. Ouais, Joris. Je vais te choke à RR, je vais perdre 2 minutes, Joris. Putain, mais je peux te choke et PB quand même. Quoi. J'hésite à jouer safe. Sur les triangles. Non, on s'en fout de jouer safe. Nul. Ouais, on va jouer comme d'hab. Jouer safe, ça va me niquer la gueule, limite. Si je joue safe et que je me foire, je m'en voudrais tellement. Ah, bon, je me suis raté, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Tout va bien, tout va bien. Voilà, c'est bon. À partir de maintenant, c'est parfait. Je suis complètement foiré. Le truc, c'est que c'est pas possible de faire un RR sans mort. Du coup, je me suis dit... J'allais faire la mort dès le début comme ça, direct, c'est fait. Je perds le moins de temps possible, tu vois. C'est pas grave. Ça, c'est pas moi qui joue safe, c'est que je me suis raté. Bâtard. Switch de merde. Here we go. Bon, je vais perdre pas mal ici quand même. Ouais, ça pique un peu déjà là. Ça, c'est frustrant, ça. Ouais, normal. Choke as usual. Still saving time though. Here we go. 42 secondes de perdu sur RR1. Oh mais non. Non. Bon. Oh. Je vais finir par faire le toad après, hein. Ça me casse les couilles sérieux. Ouais, t'inquiète Diego, ça va. Ah.
Alright. Ça c'était bien. Encore deux comme ça. Fils de pute. Ah ça c'est frustrant ça. Putain. Le fail de cette façon là. Ouais. C'est un peu ingrat de la part du jeu, mais bon, ok. I'll take it, I guess. C'est un peu un truc de bâtard. Hein. C'est à cause de la slope. À cause de la pente du cube, ça te nique ton saut. What? Allô? Wallkick, bonjour. Wallkick, ça va? Side flip! Ok, sinon il allait me pousser. Hein. Valait mieux qu'il m'écrase. Je vais perdre beaucoup de temps ici, les gars. Je peux peut-être encore faire un 53. Putain, je vais perdre beaucoup de temps. Je pense que je perds une minute là. Sur le best. Elle était belle celle-là. Ouais, ça va être environ une minute. Nice, ça c'est bien. Belle pièce rouge, nice. Non, 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 c'était malade ou quoi? Quand même les trucs que je maîtrise plus ou moins. Ouais.
Oh le bâtard, what? Waouh. What? Mais il est fou. Arwhite, merci pour les 53 gift subs. What the fuck. Oh la vache. Je savais que ça allait me débloquer un petit PB, tu vois. Un tout petit PB et ça y est, je suis débloqué, mon gars. Waouh. OMG. Eh, la mort au début de RR, c'était bien joué, hein. Ça a permis d'enlever la pression. Merci, Claudie Clad, pour les 2 mois. Waouh. Merci. C'est incroyable. J'ai pas de choc totalement. Yo. Putain, Sanzo, merci pour les 5000 bits. T'es malade. Merci, Sanzo. Waouh. 53-23. Putain. Ah tu vois Joris, mais j'avais dit que je ferais un petit PB avant. Je l'avais dit. No, it's just a PB. The record is far away, but I'm very happy about my PB. Nice. Oh par contre les splits ils vont être horribles à affronter. Il y a beaucoup de marge à RR et TTC quoi, mais après. Et voilà, ça m'a débloqué de PB. Merci Luxos pour les 12 mois, nice! Le record français en 70 stars. C'est PKT, il a 50-30 par là. 50-22, je crois. 50-22. Donc je suis à 3 minutes. Oh my god! Ah, il est chaud. Hein. Putain, je suis content, hein. J'ai pas trop de choc sur la fin. Ah ouais, j'ai encore des time save. Hein. Bah t'es... En fait, les deux derniers... Enfin, pas les deux derniers splits. Mais RR et TTC, c'est mes plus gros time save. Ouais, le Bowser était bien. J'ai juste raté le regrab. Mais à part le regrab, le Bowser était bien. Les trois lancers de Bowser étaient pile dans la bombe. TP earlier. Ah, je sais pas ce que je vais faire. Demain, de toute façon, j'avais prévu de faire le shuffle settings. Je sais pas si tu vas faire sans eau. Mais il y a la League Shuffle Settings qui va commencer demain et j'ai envie de tester. Je vais faire ça demain. C'est à 20h demain. Après, il y en a une à 14h. Je la ferai peut-être. Je sais pas. En vrai, je serais peut-être pas réveillé à 14h. Ouais, Joristin, la vache. Bah, je savais que je pouvais faire un 53. Même un 52. Je peux largement faire un 52. Et ce qui est bien, Joris, c'est qu'à partir de maintenant, si j'arrive à avoir un run pareil, j'aurai beaucoup moins de pression sur la fin, je pense. Là, j'avais de la pression parce que j'avais 2 minutes d'avance et tout, mais... Si je refais un run comme ça, ça devrait être un petit peu plus simple de gérer la pression à la fin.
Sur erreur, j'ai perdu beaucoup. Hein. J'ai perdu 42 secondes sur erreur, sur best. Non, t'as pas gagné ton pari, j'ai fait un autre PV avant. Ouais, c'était une pace de fou exhaust en vrai. Jusqu'à SL. Jusqu'à SL, HMC, le run est ouf. Hein. J'ai perdu combien à TTC? Ah, j'ai perdu presque une minute à TTC quand même. Ouais. C'est trop dur aussi à RR et TTC. Hein. C'est vraiment, vraiment trop dur. Hein. T'étais pas là, ça compte pas. Putain, je suis super content. Hein. Mais Arroy, t'es un fou par contre. 53 gift subs. J'ai jamais eu autant de gift subs, hein, je pense, en une fois. J'avais déjà eu 50, mais. Waouh! Hyper généreux à Roy, grand merci. Et non, il n'y a même pas de train de la hype sans eau, j'avoue. Mais ouais, il n'y a même pas eu de train de la hype pourtant. What the fuck. Ça me fait combien de subs? Ça me fait 1196. Attends, c'est quand même. Pour une nouvelle émote, c'est combien déjà? Tu as 1196 points abonnés. Mais je crois que c'est 1400 hein, pour une nouvelle émote. Putain, j'ai bien fait de reprendre des runs. J'ai failli pas le faire. J'ai failli arrêter les runs. Je suis trop content d'avoir refait un run. Bah, si je refais le même run avec un bon RR, un bon TTC, je peux faire... je peux gagner combien? Ah, ils sont trop courts les crédits de ce jeu par contre. Je peux faire... Ouais, j'ai perdu presque 2 minutes à la fin. Ouais, je pense que je peux faire... Je peux améliorer encore de 2 minutes avec un très bon run, quoi. Diego.